depuis la création des systèmes, nous étions dans les systèmes belges, gradué à licence et doctorat. Depuis 2016, sur recommandation du ministère, notamment la loi cadre de l'enseignement supérieur, il a été demandé que les établissements puissent basculer dans les systèmes LMD. Mais partant de notre gestion quotidienne, il y a un certain nombre de défis qu'il fallait relever avant de s'y engager. On a remarqué la sous-représentation des autres composantes dans les organes décisionnels. Il y a eu un groupe d'enseignants, de partenaires qui n'étaient pas partie prenante dans les systèmes LMD. Nous avions des difficultés pour identifier, maîtriser les effectifs. Il y a eu aussi retard dans la délivrance de nos documents académiques et la programmation était difficile. Et il n'y a que sur 10 sections que nous organisons, il n'y a que 2 qui sont dans les systèmes LMD. Et on s'est posé un certain nombre de questions. Ce n'est pas la première réforme qui est dans notre pays. Il y en a eu au moins 3 avant, en 1971, en 1981 et en 2004. Et on s'est posé la question, comment nous devons s'y prendre pour ne pas tomber dans ce qu'on a déploré dans les réformes précédentes. Et nous sommes focalisés, on s'est dit que, analysons ces problèmes pour épingler les défis et proposer les solutions pour que nous puissions réussir notre basculement dans les systèmes LMD et atteindre les objectifs qu'on s'est signés dans le plan stratégique des systèmes. Et notre sujet est implémentation du système LMD à l'ISTEM, enjeux et opportunités. Qu'est-ce que nous avons proposé comme solution à ces problèmes? Nous avons épinglé 3 axes, à savoir mettre en place un comité ou une structure de gouvernance de pilotage du système LMD à l'ISTEM Kinshasa, où toutes les composantes seront représentées et aura comme mission de sensibiliser les personnel pour qu'ils puissent s'approprier cette réforme. Et deuxième axe, nous avions dit, nous devons organiser nos services administratifs pour pouvoir accompagner la réforme. Il faut disposer les informations, accompagner les étudiants. Il faut organiser des séances pour encadrer les personnels sur la nouvelle gestion et il faut faire un effort intégré les nouvelles technologies dans la gestion quotidienne, dans les pilotages de l'établissement. Et c'est là où nous disons que c'est une opportunité pour l'ISTEM Kinshasa de basculer dans ces systèmes. Bien qu'il y ait des pays ou des instituts qui ont déjà commencé ces systèmes, mais nous devons y aller. Pourquoi? Parce que ce système permet la professionnalisation de nos filières d'études et ça permet aussi, ça met l'accent sur l'approche par compétences et ça va nous permettre de livrer sur le marché d'emploi les diplômés qui seront capables de résoudre les problèmes de santé qui se posent dans nos sociétés. Et cette formation que nous venons de suivre durant 6 mois nous a été bénéfique dans ce sens que ça a renforcé nos capacités et nos connaissances et compétences en matière de gouvernance et de gestion d'un établissement d'enseignement supérieur. Et ça nous a permis aussi de voir l'importance qu'on peut accorder à la recherche, souvent négligée dans nos universités, et l'importance aussi de l'environnement numérique. Et durant notre séjour ici, nous avions aussi été aussi impressionnés par la qualité des différents animateurs, des modules qui étaient proposés, et surtout celles ou ceux qui n'étaient pas du corps enseignant, ils ont été à la hauteur de leurs tâches et de leur secteur, qui maîtrisaient convenablement.
Thank you.